Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est juste pour nous. Point final. Et les autres aussi. Tout ça dans la belle langue de Molière. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Pourquoi ça se passe? Les changements climatiques, le grand minimum solaire et des nouvelles complètement dingues. Merci à tous ceux qui m'envoient des liens, des messages. Ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant. Allez me rejoindre à mes deux autres chaînes aussi. Les liens sont dans la boîte de description. Chers amis, découverte d'un volcan sous-marin près de Mayotte, et c'est une source intense de tremblements de terre. On vient d'apprendre ça. Les tentatives pour comprendre la raison de la crise volcano-sismique intense qui a touché Mayotte depuis mai 2018 ont finalement abouti à une réponse solide, la découverte d'un volcan sous-marin en formation récente. Le volcan est situé à 50 km à l'est de l'île de la Petite Terre, à une profondeur de 3500 mètres. A annoncé l'agence géologique basée en France, desservant le territoire. La taille actuelle du volcan est estimée à 800 mètres, avec une base de 4 à 5 km de diamètre. Les fluides volcaniques ont été détectés à une hauteur d'environ 2 km au-dessus du volcan. Les émanations de gaz signalées le long du littoral de la Petite Terre sont un signe commun rencontré dans ce type d'activité volcanique et feront l'objet d'études spécifiques. Hein, on peut voir ici où c'est situé exactement. On peut le revoir ici sur un autre graphique. Ça, c'est la vue vers Mayotte de la ride volcanique et des nombreux édifices qui la composent. Le nouveau volcan est indiqué par une flèche. Donc, juste ici. Vraiment, wow! Très intéressant comme histoire. Cette découverte permet de mieux comprendre l'intensification des séismes qui secouent la région. Depuis mai 2018, a déclaré l'association, l'organisme ajoutant que le gouvernement et la communauté scientifique étaient pleinement mobilisés pour continuer à analyser ce phénomène géologique exceptionnel. Les autorités ont indiqué que leur prochain ordre du jour consistait à évaluer les risques sismiques, volcaniques et de tsunamis et à mettre en place des mesures d'anticipation appropriées. Wow! Toute une nouvelle, chers amis. Un nouveau volcan est né et ça va vraiment, ça explique beaucoup de choses. Et l'île de Mayotte, dans le canal du Mozambique, entre la pointe nord de Madagascar et la côte orientale de l'Afrique, est composée de deux volcans géochimiques très actifs, du Pliocène pardon, et l'Holocène, hein, qui datent de ces époques-là. Et il y a beaucoup d'activités sismiques hein, récemment dans l'anneau de feu aussi. Il y a beaucoup de choses qui nous attendent, des événements majeurs sont à prévoir, je vous le dis. Ça va cogner, mais ça va cogner très dur.